face à ce bâti. Dites-nous tout. La deuxième innovation, en tout cas, que je vais mettre en avant, c'est notre bâti support. Bâti support donc, qui a été créé en collaboration avec un groupe d'installateurs, plus de 80 installateurs du métier. Donc on est parti vraiment sur l'objectif où c'est l'installateur qui va vraiment nous donner et on va s'appuyer sur leurs problématiques techniques et nous en tout cas essayer de les résoudre. Et je pense qu'avec ce bâti, en tout cas, on y est arrivé. Finalement, c'est un bâti créé par des plombiers. C'est complètement un bâti créé par les plombiers. Là, Nicole, on a vraiment eu l'idée de les faire participer. Et à partir de là, en fait, on a un peu piqué leurs idées, quoi. Génial. Vous êtes les seuls à faire ça, c'est top. Je pense qu'on est les seuls à le faire et on ne le fait pas que sur des produits bâtis. On l'a aussi créé, par exemple, sur certaines culottes, en tout cas en évacuation. Des culottes. C'est des termes de plombiers. Mais ça c'est les plombiers, c'est des culottes d'évacuation. C'est... Voilà. Et encore, j'utilise pas la paire de fesses. Ce bâti-là, le plombier, la première chose qu'il nous a demandé, ça a été de le faire en deux parties. Et ça a une double importance. Déjà par rapport au packaging, on se retrouve avec un carton qui va être deux fois moins grand. Plus léger ? Plus léger parce qu'il y a la moitié du bâti qui est en ABS et il n'est plus métallique. Donc on a un gain de place et aussi un gain de poids qui est aussi important puisque ça nous évite aussi de nous casser le dos lorsqu'on doit surtout monter pas mal d'étages. Donc ça permet en tout cas d'avoir cette facilité pour pouvoir le transporter en sachant que le carton a été créé aussi avec des poignées qu'on enfonce pour pouvoir le prendre même d'une main. Il a un sens d'ouverture. Ce sens d'ouverture permet de prendre l'élément principal à poser en priorité, qui va être le châssis. Donc ce châssis, en deux parties, ça va permettre déjà d'une part d'avoir une grande aisance de travail. Je vais juste enlever, voilà. Ça va permettre d'avoir une grande aisance de travail au moment de l'installation. Car la plupart du temps, sur les châssis traditionnels, bon bah une fois que le châssis il est posé, on vient un peu se taper la tête dans le réservoir ou de tourner autour. Là par contre, bah voilà, je suis devant, je peux facilement intervenir dessus. Ce châssis-là a comme caractéristique des pieds freins de chute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je le mets à une hauteur, il va rester. Ici, j'ai mon indice, en tout cas de hauteur. J'ai plus que mon niveau à mettre. Je vais régler ma hauteur, le niveau. Je viens visser les deux vis pointeaux qui se trouvent ici. Et on va dire que mon réglage, il est terminé. Donc, vis pointeaux, en sachant que ce bâti-là, c'est un bâti qui est NF 400 kg autoporté. Ça veut dire que uniquement sur une dalle béton, la fixation au niveau des pieds suffise. Il y a pas beaucoup de bâtis support avec le logo NF. Maintenant, il y en a de plus en plus, en sachant que aujourd'hui, il y en a, on va dire qu'ils sont même quasiment tous, en sachant qu'on a été le premier bâti NF 400 kg sur le marché, et nos concurrents se sont mis à la page qu'à partir de cette année. C'est noté. Donc là, le châssis, une fois qu'il est installé, on va dire que ça va vraiment être au niveau de l'installation où le plombier va vraiment voir le bénéfice qu'il va y avoir. Un exemple, sur un châssis traditionnel, on va poser le bâti, on va faire les traçages, on va enlever le bâti, on va faire nos perçages, on va remettre le bâti. Donc il y a énormément de manipulation sur un produit qui est très lourd. Moi déjà, mon produit, il est bien plus léger. Et une fois que je vais le poser, je peux intervenir sur place. J'utilise mon perfo directement, comme j'ai rien qui me gêne. Je viens percer directement dans mes trous. Enfin, je viens percer dans mes lumières. Et je fais mes trous. Après, je mets mes fixations et je viens le fixer directement. Donc là, j'ai qu'une seule manipulation à faire. Je le pose une seule fois et je ne touche plus. Le deuxième vraiment bénéfice technique de ce bâti, c'est le collier coulissant. C'est la pipe orientable. Et la pipe orientable, ça, c'est une pipe qu'on va mettre dans tous nos bâtis. Donc, fabrication Nicole. Hein. Pipe orientable 360 degrés. Donc on peut aller vraiment sur des évacuations, soit vraiment horizontales, faire tous les angles possibles jusqu'à l'évacuation verticale. De plus en plus de constructeurs font ce genre de pipe orientable. Oui, parce qu'en fait, ils s'approvisionnent chez nous. D'accord.
D'accord. Ce sont les nôtres. Mais aujourd'hui, évidemment, à partir du moment où une innovation sort et puis qu'elle est vraiment connue, bah, soit ils finissent par vraiment nous l'acheter et puis la mettre sur leur bâti, ou alors finissent par la créer, en sachant que voilà, il y a des, je sais qu'il y a des copies sur le marché, mais qui n'ont pas forcément les bénéfices techniques de notre pipe, comme par exemple à l'intérieur, on peut peut-être le voir. On a ici à l'extérieur le système de rotation, enfin qui permet en tout cas à la pipe de tourner sans avoir de décrochement à l'intérieur, ce qui évite les encrassements. Ce genre d'idée est breveté, on peut pas empêcher la copie. Alors c'est difficile de mettre des brevets, on va souvent trouver des idées, et puis après il y a toujours des astuces pour contourner des brevets, mais de les rendre évidemment à l'identique, c'est interdit. Donc là, le bénéfice donc du collier, en tout cas coulissant, ça va permettre une chose, par exemple, à partir du moment où on a, je prends un exemple, et ça les plombiers vont le rencontrer aussi souvent, on a une évacuation par exemple qui va être latérale. L'évacuation latérale, pour pouvoir la mettre, c'est-à-dire une fois que j'ai mis ma colle et j'ai placé ma pipe dans mon évacuation, quelquefois je suis obligé de dévisser mon bâti pour pouvoir après venir la clipser. Là mon bâti, on va dire qu'il est scellé, j'ai plus qu'à la mettre en contre-butée, je mets ma colle, je viens l'insérer de façon droite et je viens juste verrouiller. Je n'ai plus touché mon bâti. Mon bâti est fixe. Ça a une importance. Pourquoi ? Parce que dans un DTU, tout raccord collé doit être inséré sans rotation. Parce que vous allez casser les fibres de la colle. Et là, on va perdre l'étanchéité. Donc cette problématique-là, elle est rencontrée sur la plupart de la pose des bâtis. Et c'est pour ça que ce système-là aussi a été inventé. Je prends l'exemple, si on a une sortie aussi, par exemple, verticale. Donc là, par contre, sur une sortie verticale, mon collier n'a plus réellement lieu d'être. En tout cas, son bénéfice, on ne va pas le retrouver. Par contre, la conception même du châssis va faire que je vais pouvoir insérer ma pipe avec la colle directement dans mon évacuation. Ça, c'est les plombiers qui vous ont donné cette idée là ? Bien sûr. Là, je vais gagner en facilité de pose, parce que là je vais pouvoir insérer ma pipe directement. Et là par contre, le fait que j'ai pris mon châssis dans la main, ça veut dire qu'il n'est pas fixé. Et c'est pas grave, parce que rien ne m'empêche encore de prendre mon perfo avant même d'avoir fait les trous directement, alors que ma pipe est installée. Je n'ai rien qui me gêne pour ça. Donc il y a, on va dire, en fonction de la configuration de pose, soit on va poser le châssis, on va le fixer et après on va mettre la pipe, ou alors on peut mettre le châssis avec la pipe et fixer le châssis juste après. Mais là, dans tous les cas, on retire 95% des problématiques de pose de pipe. C'est parce que le plus dur dans la pose, quand on installe un châssis, c'est vraiment de pouvoir installer son système d'évacuation. C'est le plus difficile, d'accord. Et là, à partir du moment où le bâti il est fixé et il est mis, on a fait 95% du travail. Okay. Il ne reste plus donc qu'à mettre mon tube chasse. Le réservoir en ABS, c'est 5 secondes pour pouvoir le mettre. Oh, ça se met tout seul, regardez. C'est très léger. Voilà. Le réservoir est installé. J'ai deux petites vis ici pour pouvoir le stabiliser. Lui, il n'a aucune contrainte mécanique. Toute la contrainte mécanique se trouve à ce niveau-là. Donc, il n'a pas besoin d'être en métal. On se retrouve avec un produit léger. Très léger. Je peux essayer ? Allez-y. C'est bien plus léger, qu'un bâti traditionnel. Donc là, on va se retrouver aussi, donc là, on va dire une troisième innovation, en tout cas, ça va être cette petite plaque, cette petite trappe d'accès, puisque... ce qu'on pouvait proposer auparavant, c'était évidemment la plaque, en tout cas l'espace qui se trouve devant pour pouvoir intervenir. Là, on a une trappe de visite qui permet en tout cas à l'installateur, d'y plonger même les deux mains, de faire son installation comme il l'entend, sans les contraintes de mise en place. En tout cas, avec une facilité. Mais quand il est installé, terminé, carrelé, la seule trappe de visite, on est d'accord, c'est celle-là.
Vous avez deux possibilités, hein. C'est-à-dire que effectivement, si c'est carrelé de la tête aux pieds, il reste uniquement cette trappe de visite qui permet, et on sort tous les éléments par cette trappe-là. Par contre, moi je suis un ancien installateur, donc mon habitude c'était de mettre une petite trappe, une petite étagère amovible. Comme ça, je disais à mes clients, bah, regardez, j'ai juste à enlever la petite étagère et j'ai toujours accès à ma petite trappe. Et là, au moins, mon dépannage, il se fait beaucoup plus facilement et ça sécurise le client qui, la plupart du temps, lorsqu'il voit que bah, tout est caréné, tout est bouché, il se dit, bah, s'il se passe quelque chose, comment ça se passe, quoi ? Est-ce qu'on est obligé de tout casser ? Bah non, voilà, quoi. C'est la question qui revient souvent, ça, les bâtisses support. C'est la question, oui, bien sûr. Et maintenant, ça commence vraiment à rentrer dans les mœurs, et puis c'est vraiment la demande du client aujourd'hui. Je dirais que toutes les maisons neuves sont faites à 98% avec des bâtis supports. Ok. Est-ce que vous voulez parler du mécanisme et du flotteur ? Je peux parler du mécanisme, donc tout en sachant qu'aujourd'hui on a l'alimentation qui se fait directement à l'intérieur du réservoir. Il n'y a plus de raccord fileté à l'extérieur. Donc s'il y a le moindre risque de fuite, l'eau va s'écouler à l'intérieur du réservoir, non plus à l'extérieur. Donc il n'y a plus de risque de dégâts des eaux. Ça a aussi un deuxième avantage pour l'installateur, c'est que ça rentre dans une biennale et ça ne rentre plus dans une décennale. Donc là, on est sur une garantie de 2 ans pour l'installateur et non plus sur une garantie de 10 ans. Donc ça fait aussi une sacrée différence. Le mécanisme qui se trouve à l'intérieur est de fabrication française, tout comme le reste du bâti. On a un produit qui est made in France. Les usines, vous voulez dire, sont en France ? Bah, les usines, tout à fait, sont en France. Le mécanisme est fabriqué à Frontenas, à côté de Lyon. Et le réservoir, lui, est fabriqué à Cholet, dans le 49. Mécanisme, donc, aujourd'hui, on est vraiment sur un mécanisme qui est vraiment très fiable. Là, on est sur ça, c'est le flotteur, c'est le robinet flotteur. C'est un ensemble. Quand on parle de. On va parler des deux. Voilà. Et là, vous avez le flotteur dans les mains. Vous parlez du mécanisme. Alors, le mécanisme, c'est l'ensemble. D'accord. Quand je parle de mécanisme. Mécanisme et flotteur. Non, ça, c'est le flotteur, ça, c'est le tube chasse. Tube chasse, ok. D'accord. Donc, alors, parlez-nous des mécanismes. Le mécanisme va se faire fabriqué en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nicole garantit la fabrication de leurs pièces détachées pendant 25 ans. C'est-à-dire, comment ça se passe ? J'ai un problème chez moi, je suis une particulière, j'ai un problème chez moi. Vous avez un problème chez vous, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous allez retrouver les pièces détachées de votre bâti. Pas obligé de remplacer le bâti, de tout casser. On est plus qu'un remplacement. Ça coûte même plus cher qu'un remplacement. Remplacer un bâti coûte plus cher que d'en poser un. Parce qu'il faut déjà tout casser. C'est exactement ça. En sachant, donc, vous avez la garantie. Ici, on a un petit QR code. Donc, pour n'importe quel installateur qui vient intervenir sur nos bâtis, qu'il ne l'aurait pas posé. Avec ce QR code, avec son smartphone, il vient le flasher et il va se retrouver avec une vue éclatée. Ouais, voilà, c'est ça, de toutes les pièces détachées du bâti avec nos références. Donc il n'a plus qu'à prendre la référence de la pièce détachée qu'il aurait à remplacer. Il va chez n'importe quel distributeur, Nicole, il donne la référence et il va voir sa pièce détachée directement. Donc on est sur un mécanisme aujourd'hui, mécanisme monocable gainé. Ça, je vais l'expliquer juste après. Alors, ça peut paraître chiant, cette petite trappe qui n'arrête pas de se fermer, mais en fait, c'est voulu. C'est pour Ouais, c'est tout à fait. C'est protection. Lors de l'intervention, quand lui, il est bien d'aplomb, elle va faire que de tomber. Donc, c'est pour éviter que la trappe reste droite et que les saletés puissent entrer à l'intérieur. Donc, le mécanisme, comme je vous ai dit, donc tout est fabriqué donc à Frontenas. La cuve, elle, le réservoir fabriqué donc à Cholet. C'est pour ça que vous avez vraiment une fabrication made in France dans une usine, des usines françaises. C'est vraiment une industrie française. J'ai vu qu'il y avait des ouvertures de chaque côté. De chaque côté, c'est pour pouvoir passer votre canalisation.
soit vous faites votre alimentation à droite, soit à gauche. Dans ce cas-là, le mécanisme, on a juste à le changer de place. D'accord, ok. On a juste à changer de place le mécanisme. Ici, on va se retrouver donc, avec un système de fonctionnement pour les plaques. Justement, c'est, nous, on est sur le principe d'un monocâble gainé. Donc, c'est un câble inox. Il est gainé, donc il n'est jamais en contact avec l'eau. Donc, il ne risque pas de s'oxyder ou en tout cas de se corroder, ne serait-ce qu'avec le calcaire. Pour la fixation, bah c'est très simple, hein. Il suffit de l'emboîter. Ici, on le verrouille et à partir de là, ça y est, on a nos 3 litres et nos 6 litres. Alors quelquefois, voilà, il y a des systèmes d'entretoises qu'il faut régler en fonction de la dimension qu'on va avoir et l'épaisseur qu'on va se retrouver entre notre bâti et notre plaque, puisqu'on peut être, par exemple, être amené à poser un bâti derrière une cloison de plâtre ou une cloison de briques. Donc ça va compenser. Et ce câble, en fait, va pouvoir compenser toute cette différence d'épaisseur sans avoir de réglage à faire. Et le temps de manipulation, hein, vous voyez, je l'enlève et je le remets à volonté. Alors là, c'est à titre personnel. Non, là, c'est là pour ici, il y a uniquement la longueur de tige qui va faire la différence de chasse. Petite, grande chasse. C'est la course. Non, là ça appuie sur rien. C'est à l'intérieur là que ça vient appuyer dans le mécanisme. Vous voyez le mécanisme ? Non, non, si je me mets ici, par exemple, là, je fais fonctionner mon mécanisme. Je ne connaissais pas du tout, je n'ai jamais vu ça. D'ailleurs, on propose sur notre catalogue un mécanisme avec un câble qui va faire 80 cm, qu'on va pouvoir, hop, le passer par le petit trou qui se trouve ici et le déporter contre un mur. C'est-à-dire que votre plaque, vous pouvez la positionner, en fait, sur le côté d'un mur. Là, c'est la première fois vraiment que je vois ça, mais ça existe déjà ou c'est vraiment vous aussi qui avez une... Moi, je l'ai déjà fait installer par des artisans auxquels on leur a demandé, par exemple, pour un enfant handicapé, qu'il n'ait pas à se retourner pour tirer la chasse et qu'il ait juste à appuyer sur le côté. Donc, une accessibilité, c'est un avantage pour l'accessibilité. Comme ça, dans notre catalogue, énormément de kits qui vont vraiment permettre de trouver des solutions sur les problématiques que les plombiers vont trouver, ouais. Et auxquelles ils vont être confrontés en tout cas. Vous avez une large gamme de plaques de commande ou... On a une gamme de commandes vraiment très large en termes de forme déjà et aussi de matière, pardon. Voilà. Donc on va avoir des plaques ABS, on va avoir des plaques inox, des plaques en verre. En bois, vous avez ? Non, pas en bois, parce que c'est plus sensible à l'humidité. Par contre, on va aussi avoir des plaques vraiment très high-tech, comme on peut le voir juste au-dessus du bâti. Tactile ? Voilà, c'est des plaques tactiles à LED. Donc là, évidemment, ça demande une alimentation aussi électrique, hein. Donc soit on tire un câble ou alors on propose nous un système avec batterie. Et on va proposer aussi des plaques inviolables pour, on va dire, des toilettes publiques. C'est souvent ce qui est utilisé. Et aussi des plaques coupe-feu pour tout ce qui est EHPAD. Est-ce que vous faites donc des packs complets avec une cuvette par exemple ? Alors voilà, on propose sur notre catalogue oui, des systèmes de packs complets, donc avec cuvette. Particularité technique, en fait l'épaisseur ici qui se trouve sur l'injection ABS correspond à la largeur intérieure d'un rail, c'est à dire que pour pouvoir le fixer et après mettre d'autres placo, le rail on va le mettre à l'envers et on va pouvoir l'insérer directement et le caler. Les montages des montants vont se faire contre le bâti, on peut se visser directement sur le plastique. Vous avez vraiment tout, enfin pensé à tout quoi. Plombiers ont pensé à tout. C'est top en tout cas d'écouter les plombiers pour créer un produit
qui leur ressemblent et pour eux, pour faciliter leur quotidien, c'est super. Merci Nicole. Philosophie, merci à vous.